Cet épisode du Défi Témiscabitibi vous est présenté par la fromagerie Le Fromage au Village et les chocolats Martine. Deux belles entreprises du Témiscamingue, merci beaucoup pour votre participation. Justement, l'émission de cette semaine se déroule au Témiscamingue où j'avais donné rendez-vous à mon invité Sébastien Lemire, député du Bloc québécois devant l'église de Laverlechère. Et reste avec nous après l'émission, un beau concours, ça promet. Alors voilà, deuxième émission déjà du Défi Témiscabitibi, déjà avec mon invité Sébastien Lemire. Salut Pascal. Salut, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, c'est un privilège. Je suis un peu nerveux, je me demande qu'est-ce qu'on vient faire ici à Bidoun. Ouais. À Laverlechère, tu sais, moi dans ma jeunesse, j'aurais eu la chance de marcher souvent la région. Avec un groupe, avec Rénal Dufour notamment, on a monté même d'Amos jusqu'à Ville-Marie et on passait par ici, par la Verlechère. Fait que j'ai eu la chance déjà de monter dans le clocher puis de vivre différentes activités. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire à la Verlechère? Non, ça, j'ai pas d'idée. Ben moi, j'ai déjà joué au paintball ici. Fait que j'étais un peu nerveux, là. On va voir. Une bonne idée. On va voir. Ça aurait été une bonne idée. Je te remets ton T-shirt officiel du défi. C'est la couleur officielle. Il était pas okay. Prêt pour François Monjour. On était en blanc. Parfait. Mais à partir de maintenant, on va être bleu comme le Québec, Bloc québécois. On s'en plaindra pas. Et là, toi, tu prends pour acquis que je mérite mon T-shirt avant de relever mon défi. Tous mes là. Défis, juste parfait. Tous mes invités, le fait d'avoir accepté l'invitation, c'est suffisant pour ce mérite. Mais il est très bon, bravo. Je sais que c'est toi qui l'as fait. C'était effectivement des symboles qui sont porteurs de la région. Puis je trouve le fun que tu aies pris le temps aussi d'en nommer ouais. Des événements, des lieux qui nous parlent. Souvent, je trouve qu'en Abitibi-Témiscamingue, on parle beaucoup de la forêt, des lieux de camping et tout ça, mais moins de notre aspect un peu plus urbain, nos festivals, ça bouge beaucoup au niveau culturel aussi, puis je voulais l'inclure dans le T-shirt. Et d'ailleurs, merci à Impression Plus de nous les avoir offerts gracieusement. Donc, t'as aucune idée, je me suis dit, on va venir ici, puis c'est sûr qu'il va savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ben, rendu là, quand je regardais un peu ton auto, j'ai peut-être une idée, mais j'avais un paddleboard dans mon auto, mais ça n'a aucun lien. OK. J'ai toujours un paddleboard dans mon auto parce que je suis toujours prêt à la gonfler puis à m'en aller sur un lac s'il fait beau. Mais non, on va aller faire des figures acrobatiques à la ferme du Centaure, donc okay. Sur un cheval. Est-ce que je sais que tu es un sportif, wow. On l'a dit. Est-ce que tu as déjà fait de l'équitation? Non, là tu me sors de ma zone de confort. Bravo à toi. Bon. Bravo à toi. Là, je me disais, bon, est-ce qu'on va aller à Parmalade faire du lait, les cochons, etc. On s'attend un peu tout, là. Mais wow, OK. C'est okay. Ça qu'on va faire. Okay. Ça va être court. Ça va être un peu comme un rodéo. Parfait. Tu vas te tenir et on va te regarder l'expression faciale. J'adore ça. Fait que je vais embarquer avec toi. On va se rendre là-bas puis on va réaliser ça. Parfait. Sébastien, comment tu te sens à quelques fébrile, minutes fait. De ton défi? Très fébrile, puis bravo. Je m'attends pas à être surpris dans ma région, puis là, je le suis. La voltige équestre, en fait, c'est de la gymnastique à cheval. Fait que tu peux aller vers des figures de gymnastique comme tu peux aller vers des figures d'acrobatie. Bon, on va rester dans la gymnastique, là. OK. C'est pas toi qui va conduire, c'est moi. Okay. C'est pas toi qui fais avancer le cheval, c'est moi. Okay. Fait que toi, t'as juste à vivre. À oui. Vivre le moment présent. À vivre puis à tenir pour pas tomber. Ouais. Je pense qu'il est tanné de nous entendre parler. Je l'ai entendu soupirer. Ouais. Il a hâte de passer à l'action. Elle est tannée. En fait, c'est les mouches, mais oui. Parfait. Alors, on y va. Donc voilà, félicitations Sébastien. Merci. Mais comme tu vois, il y a à peu près pas une vingtaine de voiliers ici. C'est vraiment un endroit de tout ça, où on peut prendre le temps de décrocher. Hop! Et voilà! Une petite frette, mon Sébastien. C'est le gros minimum, évidemment. Ouais.
quand les enfants qui grandissent, puis le chien qui grossit aussi, vient un temps où on se pile pas dessus. Santé, merci pour la bière. Merci. Et justement, je suis presque surpris de voir que tu bois de la bière. Ah, je suis pas bien difficile là-dessus. C'est bien rare. Mais je te cherchais des défauts avant l'entrevue, tu sais. Je creusais un petit peu avec tes sœurs, j'essayais de voir dans ton enfance, tu sais, d'essayer de sortir un petit peu, là. On dirait que t'es trop sage, des fois, Sébastien. Je vais m'arrêter là. Je taquine, mais... Donc, tu bois de l'alcool. Est-ce que t'as eu une crise d'adolescence un petit peu? Ça, peut-être pas tant que ça. Non? Pas tant que ça. Tu sais, cette ambition-là plus jeune de vouloir faire de la politique m'a peut-être amené à rester sur le droit chemin peut-être. Mais en même temps, j'ai vécu mes expériences comme tout le monde. Sébastien Lemire, ouais. Disons, comme père de famille, il est comment, Sébastien Lemire? Patient? Oui, dans l'ensemble, il y a certaines choses qui en général dans la vie, bon, tout ce qui est l'injustice ou le manque de bonne volonté m'aura toujours fait réagir. C'était vrai à l'école, c'est vrai dans mon travail, c'est vrai aussi dans la relation avec mes enfants. Ouais. Quand je trouve qu'il y a des gestes qui sont peu bienveillants, puis une injustice, ça va tout ça. C'est ça qui te fait réagir. Plus que les bonnes notes à l'école? Oui. Ça, t'es pas trop exigeant avec eux? Non, je pense non. pas. Je pense pas. J'ai des garçons brillants quand même. Tu les pousses pas nécessairement dans des sports. Est-ce qu'ils sont sportifs comme toi? Ça, oui, je les ai poussés quand même un petit peu. J'ai essayé de pousser Léon un peu dans le hockey, ça n'a pas marché. Puis c'est plus le soccer qui aura fonctionné. Qu'est-ce qu'ils diraient toi, eux? Comment ils te décriraient? Bien, tu sais, je veux pas me percevoir comme quelqu'un d'exigeant parce que je pense que. mais encore là, c'est la notion d'effort, la notion de s'engager dans quelque chose. Ça, là-dessus, je vais être très rigoureux, très rigide. Mais je pense pas avoir été un coach nécessairement parce que j'ai coaché Jules au hockey plus exigeant envers mon gars. Mais qu'est-ce que tu veux travailler en tant que père? On a tous des choses qu'on veut améliorer. Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, ça, j'aimerais ça devenir plus flexible, plus... je sais pas quoi, c'est toi qui le sais. Mais là, j'arrive dans une période qui est la préadolescence. Okay. Fait que ce qui me... de garder cette proximité-là. Je pense que c'est le défi. Tes enfants, ils dealent bien avec ça, le fait que leur papa est rendu un politicien? Bien, tu vois, au départ, moi, le matin, le soir de mon élection, le lendemain matin, autant que Léon se faisait dire à l'école, « Hey, Léon, ton papa est rendu député », parce que, bon, à Sacré-Cœur, évidemment, je ne serais que les pancartes électorales, ça frappe l'imaginaire des enfants. Léon était lui-même en élection pour devenir le représentant d'école à la commission scolaire. La pomme tombe pas loin de l'arbre, comme on dit, hein? Je lui souhaite. et pas en même temps, mais regarde, ça sera ça sa branche, ça sera le choix qu'il fera, mais il aura gagné son élection aussi. Ton défi, comment t'as trouvé ça finalement? Tu étais un petit peu nerveux finalement, je pense que ça a bien été. Je savais pas à quoi m'attendre. Évidemment, là, je regardais tous les parcours, est-ce que c'est ça qu'on va vivre? Le fait d'être... l'environnement a été très sécurisé. La relation avec la bête, moi, c'est ce que j'ai mentionné tantôt qui me posait le problème, si tu veux pas... Puis en même temps, c'est mon défi aussi dans la vie de quelque chose. Moi, la relation, je suis un gars de relation, de s'assurer que la personne avec qui je suis se sente bien, tu sais. Fait que j'avais ce sentiment-là pour le cheval. Après ça, ben c'est de se sortir de sa zone de confort, d'accepter de jouer le jeu. Comme je te disais, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu tout ce qu'on peut faire dans la région. Je n'avais pas fait d'équitation. Donc, chapeau à toi, tu as réussi à trouver quelque chose en... Bien, je te remercie beaucoup. Je trouve ça le fun parce qu'à date, les gens de la région répondent présents à l'appel, même si justement, c'est un petit peu hors des sentiers battus. On prend un risque, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Mais tu as dit oui, puis je pense qu'on t'entend parler, puis ça paraît que tu es un amoureux de la région, donc j'aurais pas pu mieux choisir. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Après l'entrevue, j'ai finalement pu être témoin d'un côté un peu délinquant de Sébastien Lemire, alors qu'il nous faisait visiter l'endroit. Il nous a parlé d'une vieille tradition où les gens se lancent du pont près de la plage. Bien sûr, c'est à ne pas imiter. Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais sauté d'ici. J'ai toujours été un peu craintif de l'eau. Moi, je suis celui un peu qui va prendre quelques secondes à regarder l'eau avant de sauter. T'sais. Bon, ben ça va peut-être être ça ton vrai défi. Je pourrais te proposer qu'on l'essaye ensemble aujourd'hui.
T'es-tu game? Oui. T'es-tu game, je vais le faire. Ah, fait qu'on se donne un décompte. Vas-y. OK. Donc, 3, 2, 1, go! Et voilà, de retour du Témiscamingue, un petit arrêt au mont Kékéko pour admirer la vue. Et d'ailleurs, on commence, on dirait, presque à apercevoir le Témiscamingue au loin. Quelle magnifique région et quel plaisir on a eu à la ferme du Centaure. Encore une fois, merci à tous mes invités. Merci à Sébastien Lemire. Vraiment, je pense que son dernier défi, le plus petit qui était imprévu, ça aura été finalement son vrai défi. D'ailleurs, parlant d'invités, la semaine prochaine, on s'en va faire un tour du côté de Val-d'Or. Je mets au défi nul autre que l'animateur du matin, Éric Morissette, mieux connu sous le nom de Mo, tout simplement, comme le personnage des Simpsons. Alors Mo, si tu es prêt, je vais te mettre au défi. Faut que tu t'attendes à tout. J'attends ta réponse officielle sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois aussi à nos précieux commanditaires, la fromagerie Le Fromage au Village et la chocolaterie Les Chocolats Martines. Et d'ailleurs, s'il y a des entreprises à l'écoute qui aimeraient m'appuyer dans ma démarche, sachez que ça me ferait grand plaisir de vous accueillir dans l'équipe du Défi Témiscabitibi. Ça nous aiderait à augmenter aussi la qualité technique. On fait avec ce qu'on peut, des téléphones. Donc, on a besoin de votre appui si vous voulez que l'initiative se poursuive encore plus longtemps. Maintenant, pour ce qui est de notre gagnant du concours de la Apple Watch, vous vous rappelez, je vous faisais tirer ma Apple Watch personnelle parce que j'avais perdu mon iPhone dans le lac du Faux et qu'une Apple Watch sans iPhone, ça ne fonctionne pas. Eh bien, félicitations à Maverick Floquet qui a remporté le concours. Il a aimé la vidéo avec François Munger, il l'a partagé et il s'est abonné à la page Game Boy Guy. Et c'est tout ce que vous avez à faire d'ailleurs pour participer au concours encore cette semaine. Aimez cette vidéo, partagez et abonnez-vous à la page Game Boy Guy. Et vous pourriez vous aussi vous rendre à la ferme du Centaure, rencontrer notre merveilleuse guide Orphée Guy, qui va soit vous accueillir pour une visite guidée en famille ou vous donner une leçon d'une heure de votre choix. Vous pourrez en discuter avec elle. Donc voilà, vous savez quoi faire. D'ici là, profitez des dernières journées de beau temps. Il n'en reste plus pour longtemps aussi en Abitibi, ça peut arrêter d'un jour à l'autre. Donc profitez-en au maximum et on se retrouve à Val-d'Or la semaine prochaine. Ben, on finit par toucher le fond, mais... Ben, j'ai pas touché, moi. OK. Mais j'étais en technique bombe. Alors, ça a bien été. L'eau est quand même fraîche, mais ça fait du bien parce que la journée était quand même chaude. Ouais, non, c'est la place pour ça. Ah, voilà. Alors, on retourne vers la plage.